Bonsoir à vous les amis, comment allez-vous? Ça fait plaisir. Ah là là, ça fait plaisir d'être de refaire un petit tournage, ça faisait longtemps. Oh. Eh oui, est-ce que j'ai fait une petite pause dans mes plannings de tournage, tout simplement parce que... Oui, voilà, on est en 2019, c'est fou, c'est la nouvelle année, on n'est pas encore mort, bienvenue sur ma chaîne, bonne ambiance, on va mourir, c'est tout. Non, bon, bref, salut à tous, j'espère que vous allez bien, ici le hibou, j'espère que votre famille se porte bien, que tout votre vie va bien. À l'heure où je tourne, c'est pas encore la nouvelle année, mais à l'heure où je vais poster la vidéo, ça va être la nouvelle année. Alors là, c'est très compliqué parce que dans ma tête, je vais devoir me dire bonne année à tous, plein de bonnes choses pour vous, alors qu'en fait, bah là, on est encore en 2018, à l'heure où je tourne. Est-ce que vous avez envie d'un petit résumé rapidos de la part du hibou? Oui, vous voulez? Bah attendez, bah ça vient, 2 secondes, bah, arrêtez, 2 secondes. Bon, je disais. Il y a très longtemps, une petite fille s'est liée d'amitié avec un renard arctique. Alors qu'elle était à la recherche de son village, un méchant homme est venu l'agresser violemment. Le méchant brisa le cou du renard arctique. Ouh là là, hashtag c'est triste. Le renard n'était en fait qu'un esprit, mais un esprit qui était capable de voler et d'aider la petite fille. Donc voilà, on se retrouve dans la plaine enneigée avec notre petite amie que je peux contrôler. Comment on fait déjà? Oh. Mais il y a combien de rafales là? Putain, on se prend l'ouragan Irma dans la gueule là. Oh là là, mais on se prend des rafales dans la gueule. Mais c'est violent quoi. Mais ça va jusqu'où tout ça là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une herminette. Oh, c'est une hache, quoi. C'est une pioche. Alors, juste la tronche du géant. Juste méditer là-dessus. Ah, peut monter? What, c'est des échelles dans le plafond. What? Ah, j'avais pas compris. Ah, c'est des pics. Mais il m'a poussé. Il m'a poussé. C'était volontaire, c'était un crime assisté. Putain. Attendez, on va peut-être attendre le vent. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais arrête de tenir ton chapeau, toi, t'arrêtes pas de te barrer. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais elle traverse les murs. Elle traverse les esprits. Oh, c'est magique. Allez, on monte, on progresse. Allez. C'est quoi ça là-haut? Attendez, c'est la main du géant? Oh, il pète toute la glace. Il s'est cru où, lui? Oh, c'est violent. La fille, elle a fait juste la glissade pour mourir. Parce qu'elle peut pas monter, la gamine. Bah non, elle peut pas. Bah voilà, elle se fait planter tout le temps. C'est ça, sa vie, c'est se faire planter. Ah, vie de merde. Allez, allez, allez. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez, on va pas affronter un géant non plus. Oh, regardez ça, il a l'air gentil comme tout. Ouais, j'ai réussi. Mais attendez, je vais me faire planter là. Attendez. Allez, descend, 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 descend. Allez, on monte, 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 on monte. Allez, pas monter assez haut. Ah, fallait détruire. Oh bah oui, voilà, bah d'où tension là. L'autre, elle voit du vent qui arrive, elle se dit pas, faut peut-être sauter, brutive. Va. La fille, elle s'est tuée toute seule. Ah, moi, attendez, si ça se trouve, c'est ça qu'il fallait faire. Malikata alora angulaika
Aurélia vous le donner. Genre là, il y a un géant qui nous poursuit là ? Non, c'est une blague. Non, vous rigolez. C'est une caméra cachée, c'est ça ? Allez, on traverse là. Putain, on est en train de se faire poursuivre par un géant. J'ai peur. Oh, oh non, 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 ramène ta branche, ramène ta branche. Ramène ta branche. Idiot, va couler. On est en train de se faire poursuivre par un géant des glaces. Mais bon, tout va bien. Non, mais j'ai fait tout ça pour tomber dans l'eau. Mais non, 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 non. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Allez, c'est bien le vent. Ok, on se casse, on se casse, on se casse. Oh la vache. Oh non, il y a les esprits, mais... Oh non, il y a le géant, il arrive, il arrive, il arrive, il est juste là, il m'a bouffé la gueule. Il m'a bouffé. Allez, on y va, on y va, on y va, on progresse, on progresse. Nickel, nickel. Travail d'équipe, elle se fait choper. Oh non, c'est dégueulasse. La fille, elle a voulu monter, elle a voulu s'échapper, l'autre, il est arrivé derrière, elle fait non. On va où, là? Allez, on y va, on y va, on y va. Oh, il y a des rouleaux compresseurs, s'il te plaît. Mais je me fais écraser. Oh, ça, c'est ridicule. Se faire écraser alors que le truc est déjà écrasé. C'est complètement con. C'est contre nature. Oh, il y a la ours. Ouais, mais je passe comment, il y a la ours? Ah, d'accord. Ouah, non, mais ils ont fumé des joints. Tous ensemble en réunion. Et ils se sont dit que ça serait sympa de mettre la ours en plein milieu. Et décidément, elle va jamais mourir. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Putain, le mec, le géant, il est énervé, là. Il arriva à elle et lui défonça sa grand-mère. La te pue à maniquer. Que demain, lorsque vous sortirez, vous puissiez voir des pieds de caribou. What? Caribou? On n'a pas encore vu un. Ah, regardez la chouette, elle était toujours là depuis le début. Hein. C'est elle l'arnaqueuse dans l'histoire. Attendez, c'est pas la fin. Ah, mais attendez, mais c'est la fin, c'est trop mignon. Ah, mais oui, c'est vrai qu'au début, on était censé aller découvrir qui était derrière le blizzard qui avait ravagé notre village. Et en fait, c'était le géant. Et le géant, pour éviter qu'il revienne nous faire chier, pour éviter qu'il pète la glace et qu'il envoie toute sa neige à la con, là, et bien on devait péter son herminette, qui est une sorte de pioche, en fait. Hein. Comme ça, il pouvait plus casser la glace et il pouvait plus créer le blizzard. Bon, du coup, il est bien dégoûté, il sait plus rien quoi faire de sa journée. Et il s'est lancé sur YouTube. Maintenant, il y a une chaîne YouTube. Non, c'est une blague. Allez pas chercher ça sur YouTube, ça existe pas. Ah, ça fait toujours bizarre de terminer des petits jeux indépendants comme ça, qui ont des histoires toute sympathique. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a une deuxième partie au jeu, c'est-à-dire qu'il y a la partie histoire avec le gameplay, mais il y a aussi une notion culturelle, il y a beaucoup, plusieurs notions culturelles, et qui permettent de raconter des histoires sur, soit par exemple là, le renard arctique, qu'est-ce qu'il signifie dans la culture en Alaska, qu'est-ce qu'il, enfin surtout dans le peuple
en question, qu'est-ce que signifie caribou, la signification des vêtements. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et ce que j'avais décidé, j'avais eu l'idée assez ingénieuse, voilà. Alors, si je me lance des fleurs, j'adore ça, me lancer des fleurs. Oui, donc j'avais eu l'idée de faire une sorte de mini-documentaire sur toutes ces notions culturelles, enfin celles que j'ai pu avoir. Donc comme ça, ça vous permet d'avoir des notions culturelles sur cette histoire, sur cette culture du peuple Inupiat, c'est ça. Donc du coup, pour ceux qui n'auraient pas le jeu et qui n'auraient pas la Xbox, eh ben la prochaine vidéo sera sur une, comme je l'ai dit, sur une sorte de mini documentaire qui va retracer toutes les mini histoires. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce petit let's play, encore un autre, vous aura plu. Voilà, je kiffe faire ces petits jeux indépendants. Et dès qu'il y en a un de bon qui sort, bah donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le pouce bleu en bas de la vidéo. Ça c'est la première étape. Ensuite, vous mettez un commentaire si vous avez aimé le let's play, genre waouh, trop bien, super, walala. Si vous, et encore une fois, attendez, que là on pourrait croire que je suis là en mode faites-le et faites juste ça. Si vous n'avez pas aimé mon contenu, qui vous estimez que vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Je veux dire, c'est le pouce bleu, le partage, l'abonnement, tout ça, c'est que si vous aimez mon contenu et ce que je produis, tout simplement. Si vous n'aimez pas, ne vous forcez pas, ça sert à rien, ça serait idiot même, ça serait un peu hypocrite. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire sur ce. C'était le hibou pour vous servir. Allez, ciao. Oh oui, au fait, oh putain, je l'aurais pas dit. Bonne année. Allez, bonne résolution, tout ça, hein, la santé, tout ça, on me connaît bien. Allez, salut, c'était le hibou. Bisous, allez, ciao.